Merci de m'accueillir pour présenter les voitures américaines de ton ami. Pas de soucis. Donc là, on se retrouve dans une Lincoln. Ouais, une Continental de 79. D'accord, ouais, c'est sympa. Hein. On n'en voit pas beaucoup. Hein. Non. Non, bébé, non. Vu la consommation non plus, on ne pas trop rouler avec. Ouais, c'est à peu près quoi en moyenne? Aucune idée, je sais que ça boit. D'accord. On va dire au minimum, je pense, une quinzaine de litres aux angles. Ah ouais, quand même, ouais. Après, voilà, le moteur, bon, c'est un V8 8 litres de mémoire qu'il m'a dit. D'accord. Donc voilà. Hein. En tout cas, c'est un bon gros bébé. On peut voir ici qu'on a beaucoup de place. Alors, est-ce que tu peux me parler un peu plus de ce modèle? Bah ouais, donc après, niveau poids, ça fait 3,5 tonnes à vide. D'accord. Après, en niveau longueur, ça fait 6 mètres, un peu plus de 6 mètres sur 2 mètres de large. Ouais, c'est un sacré morceau. Ouais. Voilà, après, bon, on voit que les Américains, voilà, ils sont en avance sur nous. Elle est déjà équipée de phares automatiques, de régulateurs de vitesse pour une voiture 79. Ouais, ils étaient bien en avance sur l'époque. En avance, elle a la clim, bien sûr la direction assistée, vaut mieux. D'accord. Vaut mieux, parce que vu le poids de la bête. Ouais, c'est sûr. Voilà, après, bon, voilà, le gros V8 là, il paraît tout petit sous le capot. D'accord, ça fait combien de chevaux à peu près? 300, je crois, de mémoire. Ah oui, quand même. Il me l'a dit, ouais, je crois, j'ai peur de dire des bêtises, mais peut-être 300 chevaux, ouais. D'accord. Mais bon, c'est lourd. Hein. Donc voilà. On va faire le tour. Donc là, on a des belles jantes avec des pneus assez immenses, bah, à l'américaine quoi. Ici on a les rétroviseurs qui sont sur les portes chromés. Donc là voilà, quand on ouvre, on peut apercevoir beaucoup de cuir et de moquette et la porte qui est quand même très massive. On va d'abord continuer le tour sur l'extérieur. Donc elle a un beau petit rouge bordeaux violet. Le coffre, on peut l'ouvrir pour voir quand même la capacité de celui-ci. Et après, je sais pas s'il est vide ou il est plein, mais bon. Bon, on verra bien. Ouais, donc voilà. Y a de quoi ranger. Là, y a pas de souci. Le volume du coffre est assez impressionnant. Donc ici, on retrouve le logo Chrysler. Non, Lincoln. Lincoln, autant pour moi. Voilà, donc là, les portières. Ah, ça c'est sympa, par contre on voit qu'il n'y a pas de montant autour de la fenêtre. Il y a les serviettes. Donc pour l'arrière, bon c'est pas grave, il y a des serviettes de protection pour le tissu. Le luxe à l'américaine comme on dit. On peut voir ici de la boiserie, magnifique. Un petit cuir marron. Là le petit contour souligné de chrome. On aime ou on n'aime pas, moi personnellement je la trouve vraiment sympathique. Ensuite on arrive au niveau de l'aile, ici on a marqué Town Car, tu sais ce que ça représente? Non du tout. D'accord. Une finition. Et ensuite, bah, le cœur de la bête, donc comme Mika le disait, bah, le V8, voilà. Et on a certainement les phares qui doivent être cachés juste derrière. Ah ouais, ça c'est stylé hein. Bon bien voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Maintenant je vous laisse avec un petit essai routier, voilà. Je vais me taire, on va juste profiter du bruit. En tout cas cette caisse est exceptionnelle, je remercie le propriétaire d'avoir permis à Mika de nous laisser son véhicule pour pouvoir faire un tour et que je puisse vous présenter cette dernière. En tout cas bah, merci à toi de m'avoir reçu et puis de m'avoir donné cette opportunité, ça fait super plaisir. Il n'y a pas de problème, on préfère en profiter tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez découvrir les autres modèles qui seront certainement en présentation. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, on se quitte sur ces dernières images. Ciao bye.